Hey, salut à tous, on se retrouve pour un nouvel épisode sur Sly 2, j'espère que vous allez bien les amis. Alors qu'on retrouve notre ami Sly et sa bande hein, pour finir cette mission des balises, il nous restait plus qu'une balise à mettre. Et en fait c'était tout con. Putain, c'était juste sur le toit de la Syrie, j'avais pas vu ça. J'avais pas vu qu'il y avait une des griffes qui rejoignait en fait. Ah, en fait c'est tout simple. Ah je vous jure j'ai le seum, mais monumental. Parce que j'y ai pas cru. Bon, j'ai envie de te dire là, si tu tombes, c'est pas trop grave. Attends, elle était où la balise? Elle est là-haut, donc je pense qu'il faut sauter là-bas. Par contre, ouais, c'est pas le moment de tomber, par contre. Ah ouais, il y avait même une bouteille. Je me doutais que c'était le seul moyen. J'espère que vous allez bien quand même, hein, les amis. Voilà, je vous aurais fait un peu galérer. Mais voilà, en fouillant quelques minutes, je suis tellement dégoûté, j'aurais préféré finir dans l'histoire d'avant. Et je suis un naze. Je suis un naze, voilà, je le dis. Murray Sly, c'est juste là. C'est d'y aller vite fait. Là, je vais vers la mission. Lui, c'est de là, au-dessus. Ok. Attends, elle est où sa mission? Elle est derrière? Ou au-dessus? Non, elle est juste là. C'est quoi cette mission? Je me rappelle plus de celle-là. J'avoue que je me rappelle plus des plans. Ce qu'on avait dit. Les ours, je me rappelais ça. Ah, je le sens pas, il y a des lasers encore. Sly, j'ai repéré ce qui pourrait bien être un guide de découpe au rondin très ancien, qui pourrait nous être fort utile lors des jeux bûcheroniques. Ah oui, on devait faire des Malheureusement, jeux il est bûcheronniques. coincé dans un mur de glace. Mais comment le récupérer? Et des On attend lasers. que la planète se réchauffe? Ce laser industriel sert à découper des rondins pétrifiés. En faisant passer un rayon par la fenêtre, avec ton aide, je pourrais exploiter son énergie pour faire fondre le mur de glace et prendre le guide. Je dois réorienter ce truc? Tu devrais trouver un interrupteur de l'autre côté du mur. Active-le et ressors vite! Ouais, genre ça a l'air super simple, mais on se doute qu'il y a une carotte quelque part. Merde, je suis ressorti. J'avais pas compris. Ça voulait dire ça, le point d'exclamation. Le mec s'est cassé de la mission. Alors, attendez, il faut faire ça. Voilà, merci. Bon, j'espère qu'il va pas me reparler, c'est. J'espère qu'on peut zapper si c'est le cas. J'ai repéré ce qui pourrait bien être un guide de découpe au rondin très ancien, qui pourrait nous être fort utile lors des jeux Sérieux, on peut pas bûcheroniques. zapper. Malheureusement, il est coincé dans un mur de glace. Mais comment le récupérer? C'est quoi cette On arnaque attend que la moldave? planète se réchauffe? Ce laser Je suis vraiment industriel désolé. sert à découper des rondins pétrifiés. Je vous jure, je m'en veux. En faisant passer un rayon par la fenêtre, avec ton aide, je pourrais exploiter son énergie pour faire fondre le mur de glace et prendre le guide. Je dois réorienter ce truc. Tu Allez, devrais magne-toi. trouver un interrupteur de l'autre côté du mur. Active-le et ressors vite. Bon, en vrai, j'imagine qu'il faut faire tout le tour en mode platformer. Oh, mais c'est tellement piégé le truc. Tu sens que si je me rate, je me fais découper un bout de bras ou de jambe. Ouais, non, mais alors ça. Ok. Jusque-là, pas de soucis. Oh là là, mais c'est quoi ce bordel? Attends, je dois aller où? Alors, je vois des gardes. Là, je vois des loupiottes. Il y a un mec qui dort. Et là où il y a des super lasers de ouf. J'imagine qu'on les a pas mis au hasard.
On est d'accord, ça doit servir. On voit qu'il y a un trampoline là pour remonter. Non, ça va, il avance. Imagine lui se réveille en vrai. Là, je vois rien. Non, c'est bon, c'est un genre de machine. Vous savez que je sais pas ce que je vise en fait, c'est ça le pire. Là, je vois que je peux me cacher. Ah, je peux monter ici. Attends. Ça. Impossible d'ouvrir la chambre forte sans les indices Ah, dispersés d'accord, non, c'était autour du le. refuge. C'est le coffre, il est ici le coffre. Attends, pourquoi je dois passer ces lasers en vrai? Non, mais la question est 1 000 milliards de dollars. Oh là là. J'ai peur ce con. C'est bon, on a réussi. On peut se casser? Ouais. Bah, j'espère que c'est la fin. Au moins, ce serait une mission rapide. Même Pour pas. diriger le laser sur le mur de glace, Ah oui. tu vas devoir refléter sa trajectoire grâce aux cristaux que j'ai mis dans ton sac. Je vois. J'ai juste à placer un cristal au bout du rayon du laser pour le faire refléter dans une autre direction. C'est comme si c'était fait. Le guide est à nous. Ouais, sauf que... Non, c'est bon. Je peux sauter. Alors, comment ça marche? Tac. Ouais, je m'en doutais que c'était trop simple, hein. Alors, le laser, il va... Ah, bah, il faut aller sur le toit de la série. Ah, mais c'est cool, ça vous montre le chemin que j'ai emprunté, sauf que là, cette fois-ci, on va de l'autre côté. On va à droite des griffes. Donc en fait, les autres griffes servaient bien. Ah, j'avais mis, c'est bon. J'imagine qu'il faut pas toucher le laser. Alors attendez, il va où le laser? Non mais les trucs genre ils passent à travers quoi. Ok. Ah, on pouvait bien aller ici hein, donc. Mais pas de la manière dont je pensais. Ah non mais c'est sans fin votre idée là. Ah, je savais bien que j'avais un deltaplane. On va passer par les hauteurs.
Et moi qui pensais que la mission était finie, non, non, avec le laser, il faut faire 40 fois le tour de la map. Sans déconner. On va prendre la taille. Ah bah voilà, ça l'a pris tout seul. Alors il est où le laser ici? Et il y a un piaf. Et bon, cette fois-ci, non, même pas, putain, mais sérieux. En plus, il y a des piafs partout. Il y a des coins-coins partout. Oh merde, j'ai chopé un de ses potes. Voilà, j'ai ramené tous les coins-coins du coin. Des sous. Oh putain, j'ai réveillé un ours. Ah oh, mais c'est sans fin le truc. Par contre c'est cool, je l'avais vu en passant. Mais ça me faisait chier de faire le détour, j'avoue. J'ai eu la flemme, je l'avoue. Ok, on lui a réglé son compte. Dites-moi c'est le dernier cette fois-ci, s'il vous plaît. C'était ça le truc de la glace, là où j'ai vu les rondins ou je ne sais quoi. Non, mais vous êtes sérieux là? Waouh. Attends, il faut que j'aille sur la pointe à l'autre côté alors qu'on a commencé quasiment par ça. Ah, là, ils ont un peu abusé, ouais. Tout petit peu. Hein. Je trouve que là, c'est un petit peu fort de café. C'est bon, je sais que vous vouliez m'apprendre la map, que j'étais paumé dans l'épisode précédent, mais quand même. Est-ce qu'à un moment donné, on pourra me respecter? C'est pour que tu sois sûr de bien avoir appris ce passage. On te dit, t'as vu? Cool le passage ou pas? Alors, ça on voit en dessous, il y a un mec. Oh là là, mais genre ça crame tout. Ah ouais, le laser, il l'a cramé. Hop, c'est bon. Méfie-toi, Sly. J'ai l'impression qu'il y a autre chose dans la glace. Ah oui, il y a un mammouth. Je n'ai jamais vu une créature aussi majestueuse, si pleine de vie, si prête à vivre. Quel dommage! Il est tombé Il à l'eau. repart dans le grand froid. On l'a pas vu. Ok, on a le guide. Allez, pleure pas, on a le guide du découpeau rondin. C'est bon ça. 74%. Donc on va aller chercher Murray maintenant. On retourne à la base. C'est où la base déjà? C'est complètement de l'autre côté, je crois. Il y en a 16 sur 30 des bouteilles. Ah bah voilà, 17. Vite. Wow. Calme-toi. Calme-toi, mon petit slide. Oh là là. Ok, normalement on peut rejoindre par ici. Ouais, va falloir se calmer, les gars. J'ai cru qu'il allait faire demi-tour et il fallait que je choisisse un côté si c'était le cas. Ah bah il l'a fait 3 pas plus loin en vrai. Ok. Alors il faut se rappeler que forcément c'est Murray, on n'a pas les mêmes aptitudes. Mais j'avoue que les missions
petit stade là. 18. Comment je vais grimper avec lui? J'allais dire j'ai eu de la chance, mais oui. Putain, elle est où sa mission? Oh, la caméra qui a tourné toute seule. Juste pour me faire chier. C'est ouf. Merde, je vois pas sa mission. Vite. Ah mince, elle est là. Ah, je suis deg. Ah, je peux peut-être passer d'une manière ou d'une autre. Attends, comment on va y aller? Ah, il faut que je trouve une façon d'y aller avec lui. Qui est autre ce que j'avais prévu, parce que je voyais ça plus derrière. Mince alors. Ah oui, il fait pas de bruit parce qu'il y a ça. Bon, déjà, lui, je sais pas, il va pas. Si, il va jusqu'au bout. Pourquoi depuis tout à l'heure je le vois pas passer alors? On va essayer de contourner. Passer par le pont. Alors, Murray, comment je te fais grimper? Avec Sly, je serais déjà monté là en 2-2. Et avec lui. Par là. Ok. C'est bon, on y est. Enfin. D'après les rumeurs, des gardes utiliseraient cet endroit dans leur loisir pour les réunions de leur club de mini-tank. Je suis super content. J'ai pas rejoué au mini-tank. Ah putain, oui, c'est les mini-tanks, lui. Mission à Istanbul. C'était trop top. Ah, je m'en rappelle plus. Je crois que je peux pas passer en vrai avec lui. Ouais. Faut que je repasse par le pont. Ok, c'est là-bas, on le sait. Il est où le pont? Par contre, c'est rond lui pour attraper. Oh oh. Ah, je savais qu'il y avait un bouton courir. Voilà, il fallait les faire tourner un petit peu en rond. Ah, on les fait tourner en bourrique. Ces gardes ne te laisseront pas rentrer dans leur club de mini-tank si facilement. Cette tête d'élan devrait faire l'affaire. Sauf ah, putain, que tu n'as aucun moyen de l'atteindre. Cache-toi dans ce tonneau pendant que j'envoie Sly chercher la tête d'élan. Ah non, je le sens pas, ça va être une partie en deux temps, ça. Mais non. Mais... on va jouer Sly. Sly, si tu parviens à shipper cette tête d'élan sans te faire repérer, ça permettrait à Murray de rentrer dans le club de mini-tank sans que personne ne le soupçonne. Alors... la constitution à 10 000, comment on grimpe? Moi je suis pour prendre de la hauteur, mais pas assez. Il y a un truc au-dessus de moi. Comment je grimpe? On a failli se faire cramer. Ah mais... je vous jure, ça m'énerve quand on voit rien. Heureusement, ça dort. Je sais pas ce que c'est, mais je vous jure, ce truc, ça me donne pas envie.
Par contre, tout se ressemble hein, ici. D'accord ou pas? Oh mais je le sens tellement pas. Oh là là. Où la tête d'élan? Merde, il se réveille. J'attends qu'il se rendorme. Dites-moi que c'est la bonne là. Non mais tout ça pour ça. C'est ce que je suis en train de me dire. Putain, je sais pas où je dois aller. Là. Oh la caméra. Oh. Attends, elle est où la tête d'élan? Ah putain, si elle est là. Allez, endors-toi. Non mais là, il me crame si j'y vais. Comment je fais pour passer? Attends, sans déconner, là, il va pas s'endormir, le mec? Je suis cramé, son faisceau. Ah si, c'est bon. Putain, c'est vraiment une petite fraye, moi. Oh, c'est abusé, j'ai même pas eu le temps de traverser. Allez, endors-toi. Oh, ce foutage de gueule, c'est quoi ça? Genre, si je passe dans la pénombre, ça marche? Parce qu'il y a lumière pénombre. Est-ce qu'il fasse un... il va s'endormir ce con ou pas? C'est bon, c'est passé. Attrape. On a réussi, lui se casse. À Murray. Ah, s'il te plaît, quoi, le mec, il a Et une les cureuse. gars, qui serait assez fou pour affronter le mur? L'élan. Les paris sont ouverts. Oh, moi j'en suis. J'ai pas grand chose à parier, mais au moins je suis sûr de ne pas perdre contre un bleu comme toi. J'avoue que le truc du tank, je crois que j'avais pas accroché. Je sais plus. Pour contrôler ce type de mini tank. Avec le joystick analogique gauche, oriente-le et maintiens croix enfoncé pour avancer. Ramasse les munitions et appuie sur carré pour enclencher la tourelle. Petite astuce, la tourelle n'est orientable qu'à l'arrêt. Oh putain, l'horreur. Ouah, je me fais fumer mou. Ouah, ouah, t'es à l'envers. Ah, c'est compliqué. Ouah, c'est quoi ça? C'est qui m'a tiré dessus? C'est pas lui? Ah mais lui il a des munes infinies, j'ai l'impression, il gruge. Oh non mais les mecs ils grugent aussi.
Ah merde, c'est moi qui avais la mule, je crois que c'était lui. Oh! Gruge! Ah, je comprends pas trop le truc, il y a une barre rouge, mais j'ai l'impression que c'est pas ma vie. Ah mais on est à l'envers. Ah oh. Ah non, ma vie elle est en haut, c'est ça, c'est celle. Ah c'est la sienne ça. Ah mais j'avais à peu près cartonné quand même alors la première fois. Ah, j'ai plus le droit de me faire toucher. Ah putain, c'était lui ou moi. Ah c'est bon, je commence à capter le truc. Oh, mais c'est pourri. Je suis vraiment pas fan. Oh. Ah ouais, non mais là je fais de la merde. Là, j'ai pas perdu de vie, je crois. Mais non, j'esquive les mues, moi. Ah merde, je crois que j'ai niqué ma propre vie. Avec nos propres pieds. Eh, je l'ai pas touché. Ah, oh, ça c'est dégueulasse. Ah non, j'ai gagné. Mais j'ai pas d'argent. Ça peut s'arranger. On va voir. Comment ça? J'aimerais que tu me dises si tu sais où se trouve la batterie boréale. Bon, ok, je te dois bien ça. Genre le mec il te dit ça normal. Ouais, je sais où c'est bon, t'inquiète, je gère. Par contre, c'était pourri, je sais même pas pourquoi j'ai gagné. Eh, on va arriver à la dernière phase du plan. Après lecture du guide de découpe au rondin, il semble évident que nous ne pourrons pas gagner les jeux bûcheroniques sans tricher. Sans tricher. J'ai mis au point un plan, mais nous allons avoir besoin d'un œuf d'aigle. Ce qui n'est pas facile à obtenir. Ah, voilà pourquoi il y a des aigles. D'abord, Murray doit se servir d'un ours pour détruire les bouches de pétrole. Une fois détruites, le pétrole pressurisé créera des courants ascendants dont Sly se servira pour se paraglisser jusqu'au nid des aigles, prendre un œuf et le ramener au refuge. Ah, je le sens tellement pas. Et grâce à Murray et à son incursion au club de mini-tank, nous savons que la batterie boréale se trouve dans un silo non loin d'ici. Nous devrons y apporter quelques aménagements afin de pouvoir nous cacher dedans et monter à bord du dirigeable d'arpeggio. D'abord, nous la déchargerons grâce à des grappins de bateau. Ensuite, nous entrerons dans le phare et nous couperons l'alimentation de la batterie pour éviter qu'elle se recharge. Selon mes connaissances en ingénierie électrique, nous avons 97% de chances de réussir. Pas mal, non ? Ouais, pas mal, pas mal, pas mal. Mais ce qui veut dire que finalement, on arrive dans la dernière partie. Donc il nous reste quoi, 3-4 missions, un truc dans le genre. Ces gardes, c'est rien que des feignasses. Ça pue le sexe quand même. Mettre la main sur ces rôdeurs de malheur. Ça veut dire au moins 2 épisodes avant de s'attaquer au boss et avant de s'attaquer au chapitre final. Mais on a réussi, on avance mine de rien. 31e épisode. Je pense qu'on va faire pas loin d'une quarantaine d'épisodes pour finir le jeu. Putain, c'est ouf, hein. On va passer 20 heures sur le jeu. C'est moi aussi, c'est moi, c'est, je pense que c'est ouais, ma faute aussi. Je comprends bien votre point de vue. Donc les amis, je vous laisse ici, j'espère que ça vous a plu. Un épisode où on a plus avancé, on a fait 2 missions, voilà, c'est le rythme qu'il faudrait avoir, au moins 2 missions. Mais là, c'était 2 missions avec plusieurs objectifs. On commence à maîtriser aussi un peu la map. Ça c'est important, je le dis à chaque fois, quand on a une maîtrise de la map, ça se passe un peu mieux. Donc j'espère que la prochaine fois, ce sera pareil pour la suite. Moi, je vous laisse ici. Je vous dis à très bientôt, les amis. Portez-vous bien. N'hésitez pas à liker, commenter, vous abonner comme toujours. À la prochaine. Ciao, ciao.